Yo, c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top. Et aujourd'hui, oui aujourd'hui, je me suis décidé d'acheter un joueur TOTS. J'ai pas réussi à en paquer malheureusement dans cette première TOTS. Ne vous inquiétez pas, je vais me rattraper. Il y aura d'autres TOTS sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai décidé d'en acheter un qui est pour moi le meilleur joueur de la TOTS qui nous est proposé cette semaine. Je vous dis pas encore qui c'est, mais je me suis dit tiens, au lieu juste de le tester, au lieu juste de vous faire une vidéo, j'ai acheté un TOTS. On part dans un match, si je gagne le match, je le conserve, si je perds le match, vente rapide, voilà, comme ça. Moi je suis un taré de ouf. Donc voilà, si t'aimes bien quand je teste des gros joueurs comme ça, en ambiance tamisée, un peu soi, un peu What If By Night, tout ça, tu connais, n'hésite pas à poser un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir les mecs, que vous continuez à liker, parce que c'est vrai qu'en ce moment la chaîne, petit coup de mou les mecs, petit coup de mou, donc là faut renvoyer les mecs, donc allez, on like, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me permettrait de... reprendre du poil de la bête. Donc c'est un joueur qui vaut 70 000, 80 000 crédits, je vous le fais deviner. Il est néerlandais, il joue au Spartak Moscou, il a des stats de grand malade, mieux qu'un Robben, je parle bien sûr du Quincy Promesse. Alors le Quincy Promesse, belle stat ou pas? Bah regarde-moi ça sur la carte, 92 en vitesse, 87 en dribble, 87 en tir, 81 en passe, 73 en physique, 4 étoiles gestes techniques, 4 étoiles mauvais pieds. Tu veux quoi de plus? Tu veux quoi de plus, frérot? Et ensuite, l'équipe que j'ai mis autour du Quincy Promesse, elle est magistrale. Enfin, j'aime bien parce qu'elle est originale. Tu n'auras jamais vu cette équipe sur tout le réseau. Donc là, c'est parti. Une équipe de grands malades, voilà, avec un trio offensif que je pense adorer dans les secondes à venir. Nani, Van Persie et Quincy Promesse, ça va être une dinguerie. Je te le dis, ça va être une dinguerie. Je sens que ça va marquer but sur but. Rapide sur les côtés, grand finisseur au centre. Mamma mia. Après, au milieu de terrain, j'ai mis mes hommes de main. Le Roy Fer et Wijnaldum, depuis FIFA 10, je les utilise. Et après, le bon vieux Wesley, parce que bon, un joueur de cette qualité-là, tous les ans, il est impressionnant. Et sur ce fut-là, j'espère, puisque je ne l'ai pas encore testé, qu'il va être impressionnant. Donc, on va partir directement en match simple en ligne. Tout simplement, je vais allumer la lumière parce que là, on ne commence à plus rien voir. Ça devient n'importe quoi. Il y a des ambiances bleues, rouges, vertes. Ça devient comme dans un ravin, on ne comprend plus rien. Et si toi, dans ton écran, tu as d'autres défis à me proposer? Tu vois, des défis aussi bien foot IRL que sur FIFA. Sur FIFA, c'est plus facile, je peux pas te mentir. Commence pas à prendre la tête avec monte sur la tour Eiffel, fait 10 jongles. Voilà, donc tu te casses pas la tête, t'as d'autres défis FIFA, etc. à me donner. C'est dans les commentaires, voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, les mecs, vous vous rappelez, pour le projet foot, etc., de vous emmener voir des matchs, etc., ça se précise. Et ça sera sûrement avec un autre youtubeur, je vous en dis pas plus, mais ça se précise, ça va être une dinguerie, hashtag vlog, hashtag dinguerie. Ok, on trouve un adversaire, regardons l'équipe qui nous propose directement une BPL avec un côté Ligue 1. Voilà, une équipe classique, comme on voit plein sur le marché, au moins il a tenté une hybride, ça fait plaisir. Mais bon, ton Louis Crémy, il a pas neuf de collectif, frérot, donc même ton Koscielny et ton Marquinhos, enfin si, Marquinhos aussi, mais une équipe sans collectif, une équipe de petits noobs, je dirais. On va voir si on va essayer de taper du noob aujourd'hui pour regarder le Quincy Promesse. Là, l'enjeu monte progressivement. On se dirait à la veille d'un match Real Atlético, c'est une dinguerie. Promesse ! La 6ème minute de jeu de Promesse ! Bah, tranquillement. Tranquillement, sans prise de tête, voilà. Je vais pas vous dire qui tient ses promesses parce que bon, beaucoup trop de gens font la blague en commentaire. D'ailleurs, honte à vous, honte à vous, honte à toi qui fera cette blague devant cette vidéo. Mais sincèrement, il fait la différence. On va voir ce que ça donne sur le reste du match, mais pour l'instant, c'est plus que bon. Oh, la qualité de passe du promesse laisse un petit peu à désirer sur cette action, on va pas se mentir. Oh, on est sauvé par la chance, c'est peut-être pas fini. Le coup franc intéressant, on va le tirer avec Quincy. Quincy, il faut que tu restes avec nous. Prouve-nous que t'as envie de rester. Prouve-nous que t'as envie de rester. Vas-y. Come on, garçon. Come on. C'était pas loin. Je parle comme Julien Lepers. Je ne sais pas pourquoi. Hydratez-vous, c'est important, hydratez-vous. Bon, allez, je passe en mode combat, les mecs, là, il n'y a plus le choix. En mode retrousse, on se retrousse les manches un petit peu. Parce que là, c'est pas possible de faire un match si pitoyable face à un adversaire si minable. Le mode comment j'ai dit? Combat? Je crois pas. Je crois qu'on s'est trompé de mode combat là, vraiment. Non, parce que je vous jure, la seconde même où j'ai enclenché le mode combat, je me prends un but par Rabia Pastore. Comme quoi, il n'y a pas de hasard dans le football. Prends le mode combat activé avec Quincy Promesse. Quincy, vas-y Quincy. Oh, non, non, t'étais à deux pas de marquer.
Tu peux pas me faire ça. Vas-y Robin. L'ancien Robin Van Persie. L'enroué de Robin Van Persie. Tout s'accélère dans ce match. Allez Robin, fais-nous quelque chose. C'est à toi de prouver. C'est à toi de montrer aux petits jeunes comme Cassie Promesse qu'il faut rester dans l'équipe. Non, c'est passé. Vas-y Robin. Le pied gauche de Robin Van Persie. L'enroué, la classique tous les ans, c'est pareil avec Robin. Mais son pied gauche, il est monstrueux et il permet, ah, je sais pas pourquoi je fais des mouvements avec mon rat, à Promesse, de rester dans l'équipe. En tout cas, provisoirement, il reste 10 minutes de jeu. Voilà, ce placement de Robin Van Persie, je le pensais mort. Vraiment, cette année, je pensais que c'était la fin de Robin Van Persie sur FIFA. C'est faux, mesdames et messieurs. Pressé de tester sa version informe, peut-être dans une prochaine vidéo. Wijnaldum. Oh, cette passe de Wijnaldum! Qu'est-ce que je suis inspiré sur ce match? Je suis un artiste, c'est définitif. Et victoire! On impose notre respect. Voilà, je me touche les couilles, c'est génial. En tout cas, les mecs, c'est victoire pour nous, 2-1. On conserve le 15 promesse pour ce premier défi de la chaîne, les mecs. Si ça t'a plu, je te rappelle, le petit laser, il ferait extrêmement plaisir. Voilà. Dans cette vidéo, on a pu quand même voir que le petit Quincy, c'était une légende. Et le Robin Van Persie, il n'avait rien perdu de son talent. Et le Nani, je pense qu'il a pris 10 kilos. Mais bon, après, ça, c'est que moi, c'est que mon avis personnel. Parce que sincèrement, sa vivacité, elle est décédée sur le game. Donc voilà, les gars, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. C'est Joe. Bye.